Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 26 mai 2022, au petit déjeuner, Camille, Elisa et Zedine annoncent à sa mère que les parents de Dorian, Ryan Hubé, l'ont invité à passer le week-end prochain à Marseille. Raphaël, Jennifer Lorey, s'y oppose, prétextant que sa fille doit se concentrer sur ses révisions du bac. Comprenant que sa mère essaye de l'éloigner de Dorian, Camille se met en colère. Lorsque Stanislas, Yannick Laurent, s'enmêle, l'adolescente se montre odieuse avec lui. Raphaël la réprimande, mais Camille lui rétorque qu'elle sera gentille avec son mec lorsqu'elle sera gentille avec le sien. Plus tard, Camille retrouve Dorian au Spoon et lui annonce que sa mère ne veut pas la laisser partir à Marseille. Dès qu'il est question de lui, Raphaël agit de manière irrationnelle. Dorian s'interroge. Avant, Raphaël l'aimait beaucoup. Il ne comprend pas ce qui a pu se passer. Dans l'après-midi, Camille invite Dorian chez elle pour réviser. Stanislas les surprend, et lui fait remarquer que sa mère n'apprécierait peut-être pas la présence de son petit ami. Camille n'en a que faire. Sa relation avec Dorian ne regarde pas sa mère. De plus, Dorian sera parti avant que Raphaël ne rentre. Faussement compréhensif, Stanislas laisse les deux adolescents réviser mais prévient Raphaël de la présence de Dorian aussitôt sorti de la maison. En l'apprenant, l'avocate décide de rentrer plus tôt et surprend sa fille avec son petit ami. Elle s'empresse de mettre Dorian dehors, et finit par dire à Camille que son petit ami la trompe. L'adolescente tombe des nues. À 9h pétante, Brunet, Farouk Bermouga, débarque chez les Moreno pour récupérer sa maison. La veille, Charlie, Clémence Lassala, a organisé une dépendaison de crémaillère et a volontairement laissé dégénérer les choses. Résultat, la maison est sens dessus-dessous. En le découvrant, Brunet se met en colère, mais les Moreno jubilent et quittent la maison sans se retourner. En arrivant à l'hôtel, Christelle, Ariane et Guillaume s'inquiètent pour Charlie, qui vit désormais seul dans sa chambre. Elle a peur que la jeune fille ne se sente un peu seule. Sylvain, Arnaud Henriet, se montre rassurant, et il a raison. De l'autre côté du couloir, Charlie se réjouit de pouvoir désormais accueillir François, Emmanuel Moire, dans l'intimité. Complice, le couple partage un moment intime. De son côté, Brunette annonce à Timothée, Grégoire Champion, qu'il a récupéré leur maison. Il prétend que les Moreno ont accepté de lui rendre le temps qu'il se repasse, mais l'adolescent n'est pas dupe. Il soupçonne son père d'avoir fait quelque chose de malhonnête et préfère ne pas revenir habiter avec lui. Brunet lui promet que rien ne pourra le faire retourner en prison, mais Timothée ne croit plus en ses promesses. Un peu plus tard, Brunet invite Sophie Novak, Caroline Dianic, et lui propose d'être sa partenaire. Avec elle, il pourra non seulement exploiter les failles du système, mais aussi échapper à la prison. Vanessa prend Victoire en otage poignardée par Vanessa, Victoire d'Auxerre, Georges, Mayel et Laraou, est hospitalisée. Heureusement, la plaie est peu profonde et le policier ne gardera aucune séquelle de l'incident. Vanessa, elle, a pris la fuite après avoir appelé les secours.
La police est sur le qui-vive, et George ne supporte pas de les laisser travailler sans lui. Malgré ses 8 points de suture et les recommandations de Victoire, Solène et Bert, il décide de retourner au travail. De leur côté, Martin, Franck Monsigny, et Roxane, Raphaël Volkov, font un point sur l'enquête avec le procureur Perrault, Xavier Deluc. Ce dernier pense que Vanessa est déjà loin, mais Martin n'est pas si sûr. Dans la vie, seules deux choses sont importantes pour Vanessa, son travail et son couple avec Georges. Il y a donc une forte possibilité pour qu'elle essaye de recontacter son petit ami. À la sortie de l'hôpital, Victoire demande à Georges de prendre soin de lui. Ce dernier la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Même séparé, il a vraiment de la chance de l'avoir dans sa vie. Touché, Victoire le prend dans ses bras avant de le laisser partir en voiture avec Nordine, Youssef Agal. Un peu plus loin, la tête dissimulée sous une capuche, Vanessa les observe. Très inquiète pour Georges, Victoire rentre auprès de Samuel, Axel Kinner. Ce dernier essaye de la rassurer. Maintenant que Georges est sous protection policière, rien ne devrait pouvoir lui arriver. Une fois Samuel parti, Victoire se fait couler un bain. Armée d'un couteau, Vanessa s'introduit dans la maison et ordonne à Victoire de s'habiller. Discrètement, Victoire compose le numéro de Samuel, qui décroche et comprend que sa petite amie est en danger. Tandis que ce dernier prévient la police, Vanessa menace Victoire avec son couteau. Elle est persuadée que Victoire essaye de se rapprocher de Georges pour le récupérer. Victoire nie en bloc, mais la copycat de Mercier ne veut rien entendre. Avec un pot de fleurs, elle assomme Victoire, qui tombe au sol. Quelques minutes plus tard, Samuel avec Georges et Martin. Malheureusement, Vanessa a déjà pris la fuite et a emmené Victoire avec elle. Georges décide de géolocaliser le portable de Victoire, mais l'appareil est resté dans la salle de bain. Au même moment, Victoire se réveille dans le repère de Vanessa. À quelques mètres d'elle, des flacons de digitaline et des roses au tigre. Victoire supplie Vanessa de la laisser partir, mais la copycat de Mercier a une autre idée en tête. Tuer Victoire comme elle a tué toutes les autres, avant de lui enfoncer une rose au tigre dans la gorge.